Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, venue la chaîne de l'humour, rigolade, un peu de liberté, fraternité. Ma chaîne, elle est comme ça. Donc, tu sais, on en parle tous les jours dans la télé. Même moi, j'en ai marre d'en parler. Bon, après, moi, je parle généralement dans les salles de sport. Dans les salles de sport, il faut éviter quand il y a beaucoup de monde, parce que ça se propage vite fait, bien fait, les microbes. Les microbes, comme il y a 2-3 jours, nettoyer une barre, c'est pas possible. Les microbes qu'il y a dans une barre, on a nettoyé au moins 4-5 fois. Les bancs, sur les machines, il n'y a que des bactéries. C'est un truc de malade. Un truc de fou. Oh la merde qu'il y avait. J'avais l'impression que je viens de rentrer dans un garage à bagnole. Et j'avais l'impression que pratiquement, je nettoyais la voiture d'un client. C'est affolant, hein, les microbes qu'il y a. Et sur les bancs, sur les machines, c'est un truc de fou. Les poulies, les barres en V, t'as l'impression que tu viens de faire ton nettoyage de moteur ou ta vidange de bagnole. C'est pas possible ce qu'il y a comme microbes dans les salles. Plus il y a de monde, t'as l'impression que tu travailles dans une boulangerie, la chaîne, ou dans une usine, t'es en train de charbonner, tu transpires, t'as la contamination qui vient par la posture, par le... Ça, c'est pour ça que moi et Fitness Classique, on a un peu les horaires, on a changé. On a des horaires, on vient à 10h, 10h30, 11h ou 1h30 à tout casser. C'est pour éviter le contagion des gens de la salle. On ne sait pas c'est qui est malade, on ne sait pas c'est qui a les microbes. Tu sais, je ne vais pas préjuger sur ça, je ne vais pas sortir sur ça. C'est pour ça qu'il faut éviter le pire. Pour être en bonne santé, le matin, c'est bien. Pourquoi? C'est bien, vous buvez un bon kahwa, vous prenez votre shaker, vous allez à la salle. Après, ça fait, c'est bon pour le moral, pour la journée. Mais je vous raconte pas. Oh, c'est carrément quand j'ai nettoyé, des fois j'avais les mains noires, les haltères. T'avais la pression que j'étais gynécologue, tellement ça puait. Ah, je te jure, oh, j'ai l'impression que j'étais un gynécologue à la maternité. Les artères, c'est laisse tomber. Ça fouettait. Ah, le matériel, il pue. Ah, ça pue. C'est désagréable. On parle que du matériel. Ça pue, même en désinfectant. Même le mouchoir, le désinfectant, il se barre. Tellement il a vu que ça puait que... Ça chlinquait et pute. Oh, c'était un truc de malade. Les pans, laisse tomber. Laisse tomber. Dans certaines salles de musculation, c'est franchement dégueulasse. C'est pour ça que je ne mets jamais de t-shirt blanc. La dernière fois que j'ai mis un t-shirt blanc, ou un débardeur, j'avais une grosse trace d'haltère. Ça puait. Ça pue. Imaginez-vous que la transpiration, qu'est-ce que ça peut avoir des conséquences? J'ai chopé des boutons en haut du dos. Vous allez choper des boutons partout et ça va être affreux. Ça pue. Ça schlinguait. Laisse tomber. Ça, il y en a qui se lavent pas, mais désolé, hein. I wanna to biceps, pick chest, pick up, pick arm. À la prochaine.